sur le visage. C'est quoi tout ça? Ah, ça. De la mousse à raser? Ouais, c'est le rasage à l'ancienne. Oh là là, ça va être impeccable. Oui. Avec le coupe-chou, le blaireau. Quel blaireau? J'espère que c'est pas moi. C'est ça, le blaireau. Ah, j'ai eu peur. T'inquiète. Vas-y, bah, dis donc. Il est culotté, l'oiseau. C'est agréable comme ça. C'est mieux que la tondeuse, hein? Ouais, ah bah oui. Franchement, c'est d'une précision. Tu sens rien du tout, en fait. Ouais, c'est génial. Elle doit vouloir faire ça tout le temps. Tout le temps, non, hein, que non. Pour Halloween. Hein. Ouais, non. Moi, je me supporte pas dès que... Ça t'a rajeuni. Vachement. Ouais, puis mon triple menton, c'est... Ouais, non, non. C'est... Ah, j'aime pas du tout, hein. J'ai pas le choix, malheureusement, mais... On est pareil, hein. Oh mon Dieu, c'est quoi cette tête d'enfant de 14 ans et demi? Oh, on dirait vraiment, mais pas... Il manque que l'acné. Hein. Pas moi, ouais, c'est clair. Punaise. Et je sais pas, ouais, ça me fait vraiment une drôle de tête. On dirait un testicule rasé. Un testicule. Une couille. Non mais c'est vrai, hein. Bon, bah c'est reparti, ça va repousser dans 3 semaines. Hein. J'y suis pour un bon moment avec cette tête encore. Méconnaissable, hein, sans ma barbe. Hein. Oh là 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 là. Oh les puces, là je suis, mais posé chez moi. Mais j'ai pas du tout envie d'aller au sport. Et pourtant, il faudrait que j'y aille. Vraiment. J'ai des motivations, mais. Proche du néant. Ah, j'ai pas envie du tout. Mais il va falloir que je me motive. J'aurais bien annulé, mais bon, il faut pas, quoi. Oh, là, je rêve de dormir, hein, vraiment. Polé, 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 polémique. Ah ouais, non, là... Je crois que ça va faire polémique si j'y vais pas. Le coach va me dire, ah non, hein, on a déjà loupé 5 jours, là, maintenant, tu viens tous les jours jusqu'à ton départ à Halloween. Quoique la bonne nouvelle, c'est que j'y vais pas demain. Ouais, j'y vais pas demain. Parce que demain, je pars dans un château hanté. Je vous explique tout demain, vous inquiétez pas. Ça va être trop bien à vivre comme expérience. Bon, bien sûr, je suis hyper en retard à mon cours de sport. Ça va 13 minutes. Et du coup, il pète les plombs parce que je lui ai fait croire que je venais pas. J'ai dit, ah mais je sais pas, moi, quand tu me répondais pas, j'ai cru que c'était OK pour annuler. Il me dit, tu rigoles ou quoi? Je coachais, tu plaisantes, j'espère. J'ai dit non, je suis chez moi, là, je suis sur le canapé. Et il a essayé de m'appeler chez Foutu Répondeur. Je lui fais croire que je viens pas. Mais là, je suis devant la porte, donc il va vite voir que je viens. Je suis le diable en personne. Oui, bonjour. Ouais. Ah, t'y as cru? J'ai mis mes cornes de diable pour te jouer des mauvais tours. J'avais l'impression, j'ai le sang qui montait là. Je me suis dit, comment ça ne dit pas là? Bonjour! Bonsoir! Non mais c'est réel, je suis là. On va faire une bonne séance. Oui, ouais, comme tous les jours. Tu vas sortir heureux comme t'es sorti heureux hier de ta progression fulgurante. Ah d'accord, ma grande. Ah, t'y as cru que j'allais pas venir? Tu te posais la question, hein? Ah oui, je t'avoue, j'ai essayé. Ah, j'adore! C'est pourquoi te saouler? Je me suis dit, putain, mais il est sérieux, genre? T'es saoulé des fois? Bah, écoute, toi qui es de si bonne humeur? Bah, je suis très bonne humeur, mais je me suis dit, attends, le mec, tout ça parce que j'ai pas répondu, il m'a dit qu'il venait pas. Dans la famille Castaldi, comme ça, on est énervé? On est énervé. Putain. Qu'est-ce que j'ai Remstar sur un vélo? Eh ben, un athlète de haut niveau. Excellent! Tu vas lui montrer ça tout de suite. Excellent! 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 Il est en train de rattraper toutes ces années de retard. Bah, et regarde sur YouTube, t'as regardé quoi hier? L'interview dans le bain avec Amine Morito. Oh là 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 là, mais ça a au moins 10 ans cette histoire. C'est du génie. Les gens, ils m'en parlent tellement dans la rue, mais encore autant de temps après. Bah écoute, je connaissais pas, mais c'est drôle. C'est drôle. Et qu'est-ce que tu vas regarder prochainement? Bah là, j'ai commencé la famille Pélissa, la vidéo YouTube. D'accord, bah dis donc, tu rattrapes tout, bah, toi. J'essaie de tout rattraper, je me tiens au courant du personnage. Bah écoute, je vais pouvoir te faire des interrogations. Voilà. Des interrogatoires plutôt, interro écrites et orales pendant nos sports. Voilà. Pour voir si tu maîtrises bien et si tu suis si attentivement. Et moi je peux faire pareil sur les exercices. Excellent, je les connais par cœur. Un nouveau poids. Non, c'est bon, j'ai soulevé 12,5 fois 2 hier, 25. Ah oui, mais là maintenant, prochaine étape, c'est de soulever 15 kilos. Bah ça arrête frérot, bientôt les poids ils auront plus le poids qu'il faut. Mais si, mais
Ça s'arrête. Ça jusqu'à 25. Excellent. Excellent. Quoi, il y en a qui 25 kilos. Ouais, tu vas trop loin, frérot. T'es vraiment un bab tout solide. Bab tout solide. Bah, c'est l'inverse d'un bab tout fragile. C'est un bab tout solide. Je connaissais pas, mais par contre, moi je dis qu'il faut répéter à tout le monde d'écouter la nouvelle musique polémique. Polé, 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 polé. Ça, ça tient ouais. Polémique. Allez, viens visiter ma grotte. Allume ta lampe torche. Ramène ta stalagmite. On va mettre ta stalactite. Moi j'ai Redstar. Toi t'es KO, à sel bâtard. On m'a dit que pour avoir des vues, faut montrer des culs. Tu l'as pété. Moi je préfère jouer de la flûte. Je pourrais faire le kéké, t'appeler mon bébé. Faire hétéro en chien, mais je suis chatounet putain. Je fais le bad buzz sur X, casse sa polémique. Polé, 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 polé. Polémique. Polé, 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 polé. Maintenant certains passages. Il m'a dit qu'il l'avait mise en courant. Mais non, ça t'a donné envie de courir à fond en mode. J'ai bien couru, mais c'est en fait c'est entraînant. Le son est entraînant. Et je trouve que le refrain il reste en tête. Ah bah ça oui. J'ai cru d'ailleurs que j'allais t'envoyer un message en mode mais t'as un calvaire, ça sort pas. C'est un truc de dingue, mais c'est très bien, j'adore. Et oui les puces, nous avons justement conçu. Tu sais une blague là, j'ai fini depuis belle lurette, ça augmente au lieu de baisser. Bah ça t'a fait 7 secondes de trop. Ouais bah. Ça va, ça va. Donc je disais, nous l'avons conçu expressément ce titre pour qu'il ait un refrain évidemment très entêtant et que les gens ne l'oublient pas et qu'il rentre dans la tête très facilement. Et oui, à défaut de rentrer ailleurs, ça rentre dans la tête. Bonjour. Je crois que je ne m'en remettrai définitivement jamais de cette tête, mais bon, il faut faire avec. Donc ouais, je vais devoir supporter cette tronche et vous aussi par la même occasion jusqu'à novembre. Hein. Parce que là, du coup, j'ai tout rasé, comme je vous ai dit, dans bah, pas demain, mais après-demain, je fais mes essais make-up. Donc ça va me prendre entre 6 et 8 heures pour voir ce que ça donne et être sûr que je pars sur le bon truc pour cette année. On n'est pas à l'abri d'un changement. On verra. Mais du coup, comme demain, je suis pas là, que je suis au château hanté, eh bien, j'ai fait ça en amont, parce qu'après, j'enchaîne direct. Bref, je vais pas tarder d'aller me coucher, il est 1h du matin, je m'arrache les cheveux vraiment sur cet événement d'Halloween. Alors, je suis passionné, mais vraiment, c'est l'année la plus compliquée. Vraiment, c'est très dur cette année, vraiment, hein. Avec mon équipe, je vous jure, on est au bout du rouleau, on est toute la journée en train de régler des problèmes, tous les jours en fait il y a des rebondissements. C'est une édition cette année qui est compliquée, parce que j'ai encore vu trop, trop grand. Bonsoir. Non, c'est très compliqué cette année et il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses à gérer, à régler, beaucoup de problèmes, beaucoup de retournements de situation. On n'a pas idée, hein, mais là c'est un événement... Vous vous rendez compte, enfin, là j'ai 100, quasiment 130 personnes confirmées. Donc bah, c'est comme un mariage, hein. C'est un événement extrêmement compliqué à organiser. Je crois que je pense même que c'est plus dur qu'un mariage parce qu'il y a plus de trucs pendant un mariage. Donc ouais, non, c'est dur. Et cette année, ouais, vraiment, on a atteint un niveau là de craquage intensif. Je passe par toutes les émotions, l'impatience, la joie, le stress, le doute, l'attente, les pleurs, la déception, la... Enfin, c'est très dur. Émotionnellement, là, je suis un peu vidé. Donc là, demain, je fais le château. Je pense qu'émotionnellement, ça aussi, ça va me faire craquer hein, terriblement. Voilà, ça va être dur demain. Ensuite, je vais me prendre vraiment le week-end et tout pour rester au calme chez moi parce que parce qu'Halloween, ça arrive la semaine prochaine, en fait. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore tellement de choses à finaliser, bref. Donc là, je vais me coucher, il est 1h du matin. Le sport, en plus, ça finit définitivement de m'achever, physiquement, déjà que c'était le cas mentalement, donc bon. Mais malgré tout, vous savez quoi? Je sais que quand l'événement va avoir lieu, je vais chialer de bonheur, que je vais passer un événement
de rêve incroyable et que ça va être formidable. Je le sais. Donc je m'accroche à ça et puis je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je m'arrache. Bonsoir.